Selon le bilan 2013 des activités du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, le CEPICI, la part des investissements nationaux est de l'ordre de 26% contre 74% attribués aux non-nationaux. Pour rehausser donc les investissements nationaux, surtout chez les populations jeunes, le CEPICI initie le concours dénommé Start-up. Objectif : promouvoir l'auto-emploi chez les jeunes Ivoiriens âgés de 39 ans maximum. Et nous lançons un appel pour qu'ils s'inscrivent assez massivement en allant sur le site internet, bien sûr, www.ici2014.com pour s'inscrire avec une maudite somme de 100 000 francs CFA et venir avoir l'occasion de pouvoir rencontrer plus de 1000 investisseurs internationaux qui viendront, des bailleurs de fonds qui viendront pour exprimer leurs projets. Le concours Start-up vise deux secteurs clés, à savoir l'agribusiness et les infrastructures économiques. Plus de 200 projets innovants ont à ce jour été enregistrés par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. L'avenir des jeunes, c'est dans le projet privé, voilà, dans l'investissement privé. Je ne veux pas me faire employer par quelqu'un. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 19 janvier prochain. Les 10 meilleurs projets innovants seront sélectionnés le 31 janvier. Ils vont également bénéficier de l'appui technique et financier des investisseurs présents au Forum Investir en Côte d'Ivoire 2014.